Je suis comme un chewing-gum, un bubblegum, un beau bubblegum, gum, gum, gum. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Steven, mais... il y a un bébé en bas, un énorme bébé. Quoi? Non mais vraiment. Un énorme bébé en bas. Oui, et quand je suis descendue, il a pleuré. En bas, il y a un énorme bébé. Oui, il est en train de pleurer quand il m'a vu. J'entends personne pleurer. Bon, écoute, regarde. Je suis en train de plier tes affaires. Bah, je t'ai jamais demandé de faire ça. Parce que tu sais pas les ranger. Donc, au lieu de dire, au lieu d'inventer des histoires de bébé là. Parce que là, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas rangé tes affaires. Mais va voir si tu me crois pas. De toute façon, je devais descendre. Allez, vite. Ouais, si, et s'il y a pas de bébé par contre, je double tes devoirs. Okay, deux fois plus d'exercice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gros bébé? Non mais n'importe quoi, et puis quoi encore? Bientôt, il y aura un monstre sous son lit, elle voudra plus dormir ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oh! Vous êtes qui? Lily-Rose. Lily-Rose. Quoi? Reste avec moi. Quoi? Reste avec moi, tu bouges pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu. Mais ouais, t'as vu, je t'avais pas menti, hein. Mais oui, mais tu m'as pas menti, mais il est énorme. Bah ouais. Comment on va faire? C'est toi qui l'as ramené ici? Bah non, tu penses vraiment que je ramène ça n'importe quoi? Mais il sort de où alors? Il est rentré chez nous comment? Je sais pas moi. Mets-toi en dessous du lit. On se met tous en... Tous en sécurité. Tous aux abris. Mais c'est un bébé, normalement les bébés ça fait rien. Mais ça fait rien les bébés, mais t'as vu la taille de ce bébé là? Et comment il pleure? Il va réveiller tous les voisins. Bah c'est pas grave. Moi j'ai peur, je sais pas ce qu'il peut faire. Mais il va rien faire. Attends, je vais appeler Peppa Pink. Allô? Oui, allô? Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore? On a un problème là. Attends, je suis en train de faire les courses. Attends, je pose mais je sais que t'es en train de faire les courses, mais il faut que tu viennes au plus vite. Il y a un bébé géant dans notre salon. Comment ça, un bébé géant? Non, mais c'est quoi? C'est encore un prank? Je te raconterai plus tard. Ouais, mais... on est le 1er avril là. T'es en train de me faire un prank. Non, c'est pas un prank. Quoi? Bon, ok, tant pis. Bon, je... bon écoute, Lily-Rose, tu sais quoi? Non. Je vais y retourner. Et je vais le. Non, c'est toi qui vas y retourner. Oh, mais t'es sérieux? T'as vraiment peur à ce point-là? Tu vas y retourner et tu vas chasser ce bébé, d'accord? D'accord, mais tu veux que je le mette où? Oui, mais moi, et t'inquiète pas, si t'as peur, tu cries. Mais moi, je vais te le ramener. Hein. Non, si t'as peur, tu cries. Moi, je me cache. Oh là là, j'espère qu'elle va réussir à le chasser. Moi, j'ai vraiment trop peur pour faire ça. Bon, je vais aller voir ce bébé-là. Qu'est-ce que t'as, là, encore? Allez, debout, là, lève-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens. Mais fais pas ton bébé, là. Viens. C'est quoi, ça? Mais tu sors d'où? Viens avec moi. Mais... dépêche-toi, lève-toi, tu sais pas marcher ou quoi? Ouais, normal, c'est un bébé. J'en peux plus, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Les amis, j'espère que Lily-Rose va réussir à faire partir le bébé. Parce que moi, je peux pas. Ah, j'ai trop peur. J'ai trop peur que d'un coup, il se mette à pleurer et qu'on devienne sourd et qu'il prenne possession de notre maison et tout. J'espère que... Lily-Rose! Oui? Mais viens! Alors, t'as réussi à le faire partir? Bah non, il est énorme, j'arrive pas à le prendre, quoi. Mais il fait la taille d'un adulte. Mais oui! C'est n'importe quoi. Bon, il faut qu'on trouve une solution, ok? Bah ouais, mais quoi aussi comme solution? Bah, il est tellement grand, on peut pas le virer de la maison. Les bébés, ça aime quoi? Bah, je sais pas, dormir, manger... Les biberons, les dessins animés, non? Ouais. Il faudrait faire ça. Ouais. Attends, j'ai une idée. Quoi? On va lui mettre un dessin animé sur la télé.
On va lui donner des trucs, je sais pas, les trucs que les bébés aiment bien, quoi. Je sais pas, moi. Non, mais c'est pas grave. On va descendre, on lui met un dessin animé. D'un coup, on éteint le dessin animé, on lui dit si tu veux continuer à le regarder. Tu dois sortir. Tu dois sortir et la télé, elle est dehors. Ok. Ok, vite. Ok, vas-y. Par contre, faut y aller discrètement, faut pas le réveiller. Bah alors, parle pas fort. Parce que, bon, les amis, ce que j'ai compris, c'est que quand on réveille le bébé, il devient fou. Mais là, comme il nous entend pas, bah il pleure pas. Ok. On y va. Ne surtout ne pas réveiller le bébé géant. Retenez bien ça, les amis. Attends. Vite, viens. Attends, y'a pas un truc qu'il pourrait aimer ici? Vas-y, prends ça. Ok. Ça, c'est bon. Oh, je sais pas, il va peut-être croire que c'est un biberon. Ça ressemble. Ouais. Allez, vite, c'est parti. Donc là, on va lui mettre un dessin animé. Ok. On attend qu'il se réveille. Et on lui donne. Et d'un coup. Ok, c'est parti. Ok. Non, mais tu vas le réveiller! Ramasse, vite. C'est bon, il est en train de dormir. Vite, je vais mettre. Mais Iros, il va se réveiller, c'est sûr. Non, mais il est. Il se réveille. Non, mais donne-lui ça. Il boit un truc fermé. Bon, c'est pas grave. Comment on fait là pour mettre. Comment on fait pour mettre une vidéo? Mets-lui une de nos vidéos. Ok. C'est bien ça. Mets-lui une de nos vidéos sur YouTube. Ou notre dernier clip. Mets-lui ton good jump. Bon. Oula. Il avait très soif. Il a pas su ouvrir le bouchon, mais il a très soif. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Normalement, avec ça. Allez. Allez, on danse. Hein. On arrête de pleurer. Crabe. Et kangou dame. C'est bon, ça te plaît, allez. Kangou dame. Hop, on éteint. Si tu veux continuer, tu dois nous suivre. Si tu veux continuer à regarder, il faut nous suivre. Allez, c'est bien. Bon bébé. Il faut nous suivre. Allez, bon bébé. On l'emmène à la cave. Allez, c'est bien. Allez, si tu veux continuer à regarder, il faut nous suivre. Elle est là-bas, la télé. Oh, t'es gentil. Là-bas, voilà. La nouvelle télé, elle est là-bas. Oh, le mignon. Oh, il est mignon, regardez-moi ça. Allez, oh, il est mignon, magnifique. Allez, là-bas. Hop, oh, c'est fermé. C'est par là. C'est par ici. Là-bas. C'est fermé aussi. Tout est fermé ici. Allez, c'est par allez, ici. Allez, tu peux y aller. Allez. Voilà. Viens. Allez, là-bas. C'est bon, il est fermé. Bon, bah... Ah oui, il tape vraiment fort. En plus, il a une force, ce bébé, incroyable. Bon, en tout cas, si vous voyez un bébé géant chez vous, surtout, ne le réveillez pas, parce que sinon, il devient insupportable. Ouais. Laissez-le dormir. Vous le prenez et vous le mettez quelque part. Appelez quelqu'un d'assez fort pour pouvoir le virer. Et voilà. Ah bah bravo le rangement. Bon, si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à la commenter en nous disant quelle vidéo vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Et surtout cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là, c'est une nouvelle vidéo que vous n'avez pas encore vue. On se dit à bientôt, bye bye.